Le journal Ramabaï. Province du Katanga, 33 bombes et 139 grenades. Et plus wapeleka wa kongomani hadi jamhuri ya tatu. Des journaux en swahili, chiluba, français, kikongo et lingala, matin, midi et soir. La présence Umoja wa Afrika imesherehe siku hii ya tano tarehe 10 New York que ses éléments sont désarmés colonel Sami Kodilayan. Plus de 100 journalistes dans toute la République démocratique du Congo au service de votre information. Les femmes ne peuvent pas se rendre au champ par crainte que les éléments insurgés ne les violent. Trois cas de viol. 3e brigade appuyée par un groupe de déserteurs venus de Kichanga à 110 km de Goma en territoire de Masisi. Certaines sources proches de la même région militaire précisent que ces éléments de la 83e brigade sont des hommes proches du général déchu Laurent Kunda, Jean-Paul Bassila. Les villages des ruines. Je me souviens d'avoir eu un choc la première fois que j'ai mis les pieds à Radio Okapi au Congo. La plupart des reportages diffusés sur les ondes portaient sur la guerre, l'insécurité, la violence. Des hommes armés et en tenue militaire ont ravi chèvres, argent et autres effets aux habitants de ces contrées et qui fuyaient suite au combat des derniers jours à Kibou. Ce film raconte l'histoire d'une radio qui lutte pour la paix. Une radio qui donne la parole au peuple dans ce pays où l'on impose le silence à la pointe du fusil. 80-83. Oui, bonjour. Bon, bonjour Goma, qu'est-ce que vous avez comme sujet à nous proposer? Bon, ce matin, donc l'actualité à Goma, c'est la situation d'affrontement dans les territoires de Rutshuru. J'ai signalé que le ministre de la Défense peut venir aujourd'hui. Si on a la chance de tomber sur le ministre, okay. Des questions précises, tic-tac, tic-tac. À l'autre bout du pays, une rébellion vient d'éclater.